Oui. C'est Masrolle, s'il vous plaît. Je suis désolée de vous déranger, mais je ne retrouve plus les dernières statistiques de production. Mais le patron a dû les mettre dans son coffre. Attendez, je vais vous les donner. Et merci. Les visiteurs sont partis? Monsieur Rochner est en train de prendre congé, oui. Et Vignot? Oh, il fait les 100 pas en attendant le patron, mais j'ai dans l'idée qu'il va y avoir de l'orage. Jamais content, celui-là. Oh, bah, Monsieur Vignot est tout de même chef des services techniques depuis 12 ans. Avant que Monsieur Rochner ne devienne directeur, c'est toujours lui qui conduisait les visites. Monsieur Rochner est le patron. S'il tient à épater les clients, c'est son droit. Tenez, voici vos statistiques. Merci, Monsieur Masrolle. Non, tu m'embêtes, j'ai pas le temps. Alors, on dirait que vous aviez raison, restant pas là, je tiens pas à m'en mêler. Ah, vous voyez. Je te préviens, Rochner, fais attention. Tu as encore essayé de me faire passer pour un imbécile aux yeux de tout le monde, là. Mais ça, je ne supporterai plus. La prochaine fois, tout directeur général que tu seras, je te mets dans ma poche. Il n'y aura pas de prochaine fois. Dorénavant, et lorsqu'il s'agira de gros clients, je les guiderai tout seul. Dans les services techniques, je suis sur mon terrain. Je ne te permets... Oui, et moi, je suis directeur général partout. Oh, depuis 2 ans, oui. Seulement moi, il y a 12 ans que je suis dans la boîte. Et tout ce que tu exhibes avec des airs de propriétaire, c'est moi qui l'ai organisé. Désolé, mais tu as la folie des grandeurs, Vignot. Tu es peut-être un excellent ingénieur, mais tu n'es pas le seul. Et je trouve que tu abuses singulièrement de notre camaraderie. Oh, notre camaraderie, elle est bien bonne. Hein. S'il y a un sentiment qui ne t'a jamais embarrassé, c'est bien celui-là, par exemple. Tiens, mais ma centrale, tu t'es arrangé déjà pour deviner ce qui te dépassait. Prends garde, Vignot, ma patience a des limites. Désolé à mon tour, mais il y a trop longtemps que j'ai envie de vider mon sac. Depuis l'école et jusqu'à ta nomination ici, tu n'as cessé de grimper en t'attribuant le travail des autres. Oui, je sais, tu es ingénieur, tu sais commander, d'accord. Seulement, c'est tout de même pas ta seule valeur qui t'aurait amené là où tu es. Hein? Alors, un bon conseil, et pour la dernière fois, écarte de ton chemin qui tu voudras, mais ne viens plus m'attaquer sur mon terrain. Parce que moi, je te jure que je ne me laisserai pas faire. Que tu sois jaloux de moi m'a toujours laissé complètement indifférent. Mais tu viens de passer les bornes. Je n'ai qu'un mot à dire pour obtenir ta mutation et je vais m'en occuper dès lundi. Oh, pourquoi me faire muter? Fais-moi l'en balancer pendant que tu y es. Hein? Et si par hasard tu as du mal à trouver un prétexte valable, tu en fabriqueras un? Ce ne sera pas la première fois. Fous le camp, Vignot, ça va mal finir. Ah, tu n'aimes pas beaucoup qu'on te la rappelle, cette saleté-là. Hein? Fous le camp, je te dis. Ouais, rassure-toi, Je m'en vais. Seulement, pour ce qui est de ma mutation, je te conseille de réfléchir. Je ne m'appelle pas Thévenot, moi. Que se passe-t-il, mon chéri? Tu n'es donc pas pressé aujourd'hui? Non, j'ai un rendez-vous dans Paris à 2h30. Je ne vais pas aller à Saint-Ouen pour une demi-heure. Mais moi, c'est tout le contraire. Je suis en retard, je me sauve. Oh, pute! Allô? Oui? Qui? Oh, Edouard! Je ne reconnaissais pas votre voix. Que se passe-t-il? Quoi? Non, mais c'est sûr, ça? Ah, ben ça, alors... Ben oui, que voulez-vous, je vais m'arranger. Mais non, c'est pas la peine, je sais pas encore quel train je prendrai. Va dire à Geneviève que je l'embrasse et que j'arrive. Au revoir. Voilà, le bouquet final, ma sœur accouche avec 15 jours d'avance. Alors tu pars aujourd'hui? Mais comment veux-tu? Je ne croyais partir que vers la fin du mois, j'ai 1000 rendez-vous à décommander. Ben non, je vais tâcher de partir demain matin et déjà ce ne sera pas facile. Et tu penses rester longtemps? Sans doute une bonne semaine. Enfin, je tâcherai de rentrer pour l'autre samedi, dimanche ou plus tard. Ben là-dessus, excuse-moi, parce que je suis en retard. Moi, ce soir, mon jour. À ce soir. Allô? Allô? Allô, ici Rochner. Il va falloir changer nos plans. Ma femme s'en va plus tôt que prévu. Et c'est durant le prochain week-end que je serai seul. Oui? Bon, très bien. D'accord pour samedi soir. Bonjour. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mal dormi? Non. Très bien. C'est bon, j'ai dans l'idée qu'on ne va pas dormir beaucoup dans les jours à venir. Hein. Léon Wiedrich sort d'ici. Wiedrich, du complexe industriel? Oui, comme tu dis, du complexe.
Une quinzaine d'usines, autant de filiales et des participations dans une trentaine de sociétés. Dans la métallurgie des métaux dont ferreux, c'est peut-être l'entreprise la plus importante de France. Et alors ? À Saint-Ouen, l'usine de tête est l'une des plus modernes d'Europe. Elle fait travailler 6000 personnes. Et a pour directeur général un ingénieur du nom de Paul Rochenard. Il a disparu depuis lundi. Depuis lundi ? Mais nous sommes vendredi. Eh oui. Oui, ça a été aussi ma première réaction. Mais le vieux Villeriche m'a fait remarquer sèchement que Paul Rochenard n'était pas le premier venu et que l'annonce de sa disparition pourrait avoir des conséquences graves. Sa petite enquête personnelle ayant échoué, il se décide à faire appel à nous, mais en nous promettant les pires ennuis si la presse s'en mêle. Cette blague. Dans une usine qui emploie 6000 personnes, il va pas le garder longtemps sans secret. Ouais, bon, ça on verra bien. Hein. Enfin, pour l'instant, il s'agit de se lancer sur les traces d'un bonhomme qui a presque une semaine d'avance sur nous. Parce que sa disparition n'a été constatée que lundi matin. Mais il avait quitté l'usine samedi, à midi. Et personne ne l'a revu depuis. Ils n'en ont pas de femme, ce homme-là ? Si, elle était à Roubaix, auprès d'une sœur malade. Widrich l'a prévenue lundi soir, elle est rentrée aussitôt. Eh ben, si jamais le gars a voulu profiter de l'absence de sa femme pour emmener une petite amie à la campagne, il va avoir une bonne surprise. Ça, hein. Tu sais, de l'avis de tous ceux qui connaissent Rochenard, il paraît que c'est impossible. Il est amoureux de sa femme. On ne lui a jamais connu liaison. Et de plus, c'est un ambitieux qui fait passer son travail avant tout. Alors, il est parti comment, de l'usine ? Il est parti avec sa voiture, qui a disparu d'ailleurs également. Tout le monde a d'abord pensé à un accident, évidemment, seulement depuis une semaine, hein. Ça se saurait. Quelle marque, la voiture ? Bah, tiens. Voilà, ça s'affiche. J'ai déjà lancé un appel général. Ah bon ? Et maintenant ? Ah, et maintenant, maintenant. On nage. S'il n'a pas eu d'accident, et s'il n'est pas parti volontairement, Rochenard n'a pu être qu'enlevé ou assassiné. Pourquoi pas ? Un type de cette importance, ça doit avoir pas mal d'ennemis. Oui, le vieux Widrich prétend que non, mais j'ai l'impression qu'il voit les choses d'un peu haut. Enfin, de toute façon, comme il faut bien commencer par quelque chose, on va essayer de voir ça sur place. Allez, viens en route. Hein. Monsieur Mazerolles, en tant que secrétaire général, vous êtes le plus proche collaborateur du directeur et c'est pourquoi je vous interroge en premier. J'ai besoin de me faire une idée sur la personnalité de Monsieur Rochenard. Je vous aiderai de mon mieux, monsieur le commissaire. Cependant, je vous signale tout de suite que nos rapports ont toujours été strictement professionnels. Depuis combien de temps travaillez-vous ensemble ? Je suis ici depuis 5 ans, mais Monsieur Rochenard n'a été nommé qu'il y a 2 ans. Et vous prétendez qu'en 2 ans de collaboration quotidienne, vous n'avez jamais parlé d'autre chose que de travail ? Je ne le prétends pas, je l'affirme. Monsieur Rochenard n'étant pas homme à parler de sa vie privée avec des subordonnés. Ah bon, je vois. Un homme conscient de son importance et qui tenait à garder ses distances, en somme. Non, un directeur consciencieux et qui n'avait pas de temps à perdre, c'est tout. Vous avez de la sympathie pour lui ? Nos rapports étaient excellents. Non, écoutez, monsieur Mazeron, écoutez-moi bien, hein. Et entendons-nous bien. Le directeur de cette usine a disparu. Je suis chargé de le retrouver. Et j'ai besoin de savoir le genre d'homme dont il s'agit. Alors cessez vos réticences et répondez-moi franchement. Oui ou non, avez-vous de la sympathie pour Rochenard ? Oui ou non, il y a des nuances tout de même. Moins que vous ne le pensez. Alors ? Oh ben disons, une sympathie moyenne. Pourquoi ? Enfin, que lui manque-t-il, selon vous, pour être franchement sympathique ? Est-ce que... Enfin, je ne sais pas, parce que c'est un homme injuste, autoritaire. Un poste comme le sien exige forcément beaucoup d'autorité, mais personnellement, je n'ai jamais eu à me plaindre de lui. Personnellement ? Ça sous-entend que tous vos collègues ne sont pas dans le même cas, je suppose. Oui, c'est possible. Mais je n'ai pas à me faire leur interprète. Je préfère que vous les interrogiez directement. Non, pour l'instant, c'est vous que j'interroge. Et je vous demande si, d'une façon générale, votre directeur est aimé de son personnel. Aimé, ce serait beaucoup dire. On apprécie le directeur, on est plus réservé quant à l'homme. Ouais. Bon, est-ce qu'il a pris la place de quelqu'un en arrivant ici ? Ah non ? Non, son prédécesseur arrivait normalement à la retraite. Et pour l'avenir ? Enfin, en supposant qu'on ne retrouve pas Paul Rochenard, qui le remplacerait ? Cette usine est la première des 15 usines Friedrich.
Cela fait au moins 14 directeurs qui peuvent raisonnablement briguer ce poste. Sans parler des sous-directeurs et des gens de l'extérieur. Oui. Bon, et Rochner, lui, lorsqu'il a été nommé, était-il enfin le premier ayant droit? Du point de vue de l'ancienneté, non. Il n'a que 43 ans. C'est le plus jeune de tous les directeurs. Son ascension a été très rapide. Et régulière? Je ne comprends pas. Je vous demande s'il était bien le plus capable pour occuper ce poste. Désolé, monsieur le commissaire, n'étant pas technicien, je ne suis pas qualifié pour en juger. Oui, j'ignore exactement pourquoi vous êtes qualifié, mais pour ce qui est de la réticence, vous êtes impatable, monsieur Masserolles. Enfin, ce sera tout pour l'instant. Veuillez m'envoyer la secrétaire particulière de monsieur Rochner, je vous prie. Mais tout de suite, monsieur le commissaire. Eh bien, je vous admire, patron. Moi, je l'aurais un peu bousculé, le blanc-bec. Oui, bon, ça n'aurait servi à rien. Il est assez intelligent pour répondre à côté, alors. Moi, je suis sûr qu'il nous cache quelque chose. Eh oui. Une histoire de femme, peut-être. On aurait dû lui poser la question. Je l'ai gardé pour la secrétaire, parce que tu l'ignores peut-être, mais un homme cache plus facilement une maîtresse à sa femme qu'à sa secrétaire. Ça vient sans doute de ce que la maîtresse et la secrétaire sont souvent qu'une seule et même personne. Dans le cas présent, ça m'étonnerait. Vera le noble m'a l'air d'une fille plutôt sévère. D'autre part, et d'après ce que nous savons déjà, j'ai pas l'impression que Rochner soit un homme à mélanger son travail et sa vie privée. Alors, de toute façon... Entrez, oui. Ah, mademoiselle le noble. Entrez, je vous en prie. Non, soyez gentil de fermer la porte. C'est vous. Merci. Mademoiselle Lenoble, vous êtes la secrétaire particulière de M. Rochner depuis plus d'un an. Mmh. Vous devez donc le connaître assez bien. Un an, c'est bien court. Et M. Rochner est un homme qui ne se livre guère. Vous n'êtes sa secrétaire que depuis un an, mais si je ne m'abuse, vous étiez déjà dans la maison. Au service commercial, oui, depuis un an. Comment êtes-vous montée en grade? Monsieur Rochner, vous connaissez? Non, c'est Mademoiselle Houtin. La secrétaire partante qui m'a recommandé à lui. J'ai fait un essai de 3 mois et ça a marché. Elle prenait sa retraite, cette demoiselle Houtin? Non. Non, mais elle avait déménagé et désirait trouver un emploi plus près de chez elle. Bon. Vous me dites que M. Rochner est un homme qui ne se livre guère. Je veux bien vous croire, mais... Enfin, il vous arrive tout de même de parler un peu. Même très accaparé. Un directeur s'intéresse toujours plus ou moins à la vie de sa secrétaire. Eh bien, pour lui, c'était plutôt moins. Et probablement par politesse. Il vous a jamais fait la cour? Ah non, ça jamais, non. Ah bon. Peut-être a-t-il déjà une maîtresse? Je l'ignore, mais ça m'étonnerait. Pourquoi? D'abord parce que je crois qu'il aime sa femme. Ça n'empêche rien, vous savez. Et aussi parce que c'est un homme très occupé. Et pour moi qui connais son emploi du temps heure par heure, je ne vois vraiment pas où il prendrait celui de voir une maîtresse. Bon, alors admettons et passons à autre chose. J'ai trouvé dans le bureau de votre patron un pistolet automatique. Que pouvait-il craindre, à votre avis? Bon, rien d'autre que d'éventuels cambrioleurs, je suppose. Bon, il y a souvent pas mal d'argent dans le coffre et il arrive que M. Rochner travaille le soir, quand ce n'est pas le dimanche. Vous ne lui connaissez pas d'ennemis? Non. Et des rivaux? Il en a certainement, mais ces rivaux ne portent pas un œillet à la boutonnière. Allons, mademoiselle Lenoble. Quand deux hommes s'aiment pas et se jalousent, ça se voit. Entre gens bien élevés, pas tellement, monsieur. L'inspecteur Chaillet est un petit peu brutal, mais il n'a pas complètement tort, mademoiselle Lenoble. Dans une entreprise qui emploie 6 000 personnes, le directeur a forcément quelques ennemis. Monsieur Rochner est loin d'être en rapport avec 6 000 personnes. Il travaille surtout avec ses ingénieurs. Lesquels sont tous d'excellents collaborateurs, adorant leur patron, bien entendu. Peut-être que certains ne l'aiment pas beaucoup, mais enfin, de là à les traiter d'ennemis... Voilà, nous y arrivons. Voilà, dites-moi simplement avec lequel d'entre eux il s'accroche le plus souvent. Bon, très franchement, monsieur le commissaire... Oui, ça, je sais. Je sais que la question est... Enfin, ma question est gênante. Hein. Ben oui. Moi, j'ai besoin de savoir... Il y a une heure que j'entends chanter les vertus de Paul Rochner et je voudrais bien entendre maintenant le son de l'autre cloche. Alors? Ma foi, puisque vous parlez d'accrochage, vous finirez bien par apprendre qu'il y en a eu un assez violent vendredi dernier entre M. Rochner et M. Vigneault. L'ingénieur en chef? Oui. À quel sujet? Sans doute à propos de travail, mais je n'ai pas pour habitude d'écouter aux portes. D'ailleurs, je vous signale que M. Vigneault est un camarade de promotion du patron. Et qu'il est le seul de toute la maison à le tutoyer. De ce fait, ses propos sont évidemment plus libres. Allez me chercher.
Pardon ? Allez me chercher, monsieur Vigneault. J'en ai pas tout à fait terminé avec vous, mais je vous reverrai plus tard. Bon, très bien, monsieur le commissaire. Il doit être au bureau d'études, je vous l'envoie immédiatement. Oui, je vous remercie. Qu'est-ce que t'en penses ? Comme témoin ? Ou comme fille ? Oh, écoute. Ben, elle est plutôt sympathique. Et ça doit être une bonne secrétaire. Mais j'ai comme qui dirait l'impression qu'elle nous cache quelque chose aussi. On n'est décidément pas très bavard dans cette maison. Pour qui veut y demeurer ou prendre de l'avancement, j'imagine que c'est préférable. Seulement l'ennui, c'est que pour nous, le silence et la discrétion sont plutôt des défauts. Enfin, espérons que monsieur le chef des services techniques va chanter un peu sur un autre ton. Ensuite, nous irons voir l'épouse et... Ah ! Allons. Ah oui, d'accord, pensez-le moi. Oui, bonjour, vieux. Ah. Ah, c'est bien, ça. Ça, c'est parfait. Où ? Ouais. Eh ben. Bon, alors écoute, tu me fais emmener ça au laboratoire et tu leur demandes de s'y mettre tout de suite, hein, le grand jeu, évidemment. Oui, un instant ! Oui, bon, alors entendu. D'ailleurs, je termine ici, j'arrive. À tout de suite. Ça y est. Ils ont trouvé la voiture, porte des lilas. Porte ouverte et clé sur le contact. Ah bah dites-toi, une bagnole pareille, c'est encore une veine que personne s'en soit occupé. Eh oui, oui, à moins qu'on l'ait laissée ainsi dans l'espoir que quelqu'un la fasse disparaître, précisément. Enfin, on verra bien. Entrez. Ah, là, monsieur Vigneault, je suppose. Oui. Commissaire Brégoût, inspecteur Chaillet, mon adjoint. Enchanté, monsieur. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous prie, et bavardons un peu. Voilà. Pardon. Vous êtes, m'a-t-on dit, un ami de monsieur Rochenard, que vous tutoyez... Non. Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur le commissaire, mais vous avez dû mal comprendre. Je tutoie Rochenard, c'est exact, mais on n'a pas pu vous dire que j'étais son ami. En fait, on a plutôt dû vous dire que... Enfin, le contraire. Qui ? On ? Bah, à peu près tout le monde. Plus particulièrement le noble, Mazerolles. Ouais, j'ai failli me battre avec Rochenard l'autre jour encore, et il ne l'ignore pas. Vous battre ? À ce point-là ? Oui. Rochenard était un salaud. Ça ne date pas d'hier, remarquez, mais la semaine dernière, j'ai pas pu me retenir de le lui dire en face. À quel propos ? Oh, le monsieur aime un peu trop les honneurs, et il a pour habitude de s'attribuer tous les mérites, y compris ceux qui ne lui reviennent pas. Les autres se taisent et encaissent. Moi, je ne marche pas. Et ils sont nombreux, les encaisseurs ? Bien trop. Il y en a même un que cela a conduit jusqu'au suicide. Comment ça ? Oui, c'est une longue histoire. Enfin, elle dépeint assez bien le personnage. Mais, non, ça n'a rien à voir avec sa disparition. Je ne suis pas pressé. La peinture m'intéresse, monsieur Vigneault. Allez-y. Qui s'est suicidé ? Albert Thévenot, le premier mari de madame Rochenard. Quoi ? Voyons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous prétendez qu'après avoir poussé cet homme au suicide... Rochenard est allé demander la main de sa veuve ? Avec le recul, on pourrait présenter les choses ainsi, évidemment. Non. Non, en fait, je crois que c'est seulement après la mort de Thévenot qu'il s'est mis à la voir régulièrement et qu'il a fini par l'épouser. Pas en guise de réparation, tout de même. Non, ça c'est pas son genre non plus de réparer. Non, je crois qu'il en est tombé amoureux. On dit même qu'il l'est toujours. Et avant, que s'est-il passé ? Bien avant... En sortant de centrale, où nous étions tous les trois, Thévenot et moi sommes entrés directement chez Widrich. Oui. Oui, ce n'est que bien plus tard que Rochenard y est venu à son tour, grâce au conseil et à l'appui de Thévenot. Ils ont travaillé longtemps dans les usines différentes, et puis un beau jour, ils se sont retrouvés ensemble à Gennevilliers. Et c'est là que l'affaire a éclaté. Oui, enfin ici on dit l'affaire, et d'ailleurs on évite d'en parler. Moi j'appelle ça une conspiration, d'ailleurs je suis prêt à la répéter quand on voudra. Et quel genre de conspiration ? Thévenot avait commis une faute. Assez grave, si on veut. Mais par pure naïveté, sans arrière-pensée. C'était un brave type, franc comme l'or, et qui ne voyait le mal nulle part. Et un jour, en faisant visiter nos installations à un groupe d'ingénieurs étrangers, il en a un peu trop dit sur une technique de fabrication qui était tenue secrète. Oui, enfin, ça méritait une bonne engueulade, à l'extrême rigueur, un blâme au dossier, mais enfin, certainement pas un licenciement. Il a été licencié ? Ah oui, c'est bien mieux. Non seulement il s'est retrouvé dehors, mais le grand Widrich s'est arrangé pour lui fermer toutes les portes de sa spécialité. Oui. Quand il s'est suicidé, au bout de 6 mois, il n'avait pas encore trouvé à se recaser. Il n'y a tout de même pas que les usines Widrich
dans la métallurgie. Non, non, mais vous savez ce que c'est. Tout se tient, tout se sait. Et avec un dossier comme le sien, et bien qu'il ait été un ingénieur de premier ordre, Thévenot n'avait pratiquement aucune chance de se reclasser. Or, ce dossier en question, sur quoi s'est basé le père Widrich, c'est Rochenard en personne qui l'avait établi, monsieur le commissaire, contre le camarade de promotion et contre l'ami qu'il avait fait entrer à l'usine. Ah, je vois. Ouais. Est-ce que Thévenot aurait été capable de prendre cette direction générale que Rochenard a finalement obtenue? Non, c'était un technicien remarquable, mais trop sensible, trop peu doué pour le commandement. Rochenard est d'une autre trempe, même à la place de l'autre, vous jure bien qu'il ne se serait pas suicidé, lui. Ouais. Oui, eh bien, revenons un peu à lui et à sa disparition. Est-ce que vous avez une idée, vous, là-dessus? Moi, je ne vois que deux solutions. Accident de voiture ou crime. Vous éliminez donc une disparition volontaire? Ah oui, ah ça oui, catégoriquement. Je ne le vois pas du tout abandonnant sa femme, et encore moins sa situation. Sinon. Dans ce cas, et étant donné que l'on vient de retrouver sa voiture intacte, j'ai bien peur qu'il ne reste que le crime, monsieur Vigneault. Donc, madame Rochenard, c'est votre femme de ménage qui a été la dernière à voir votre mari. Le samedi après-midi, oui, monsieur le commissaire. Mmh. Il est rentré vers 5 heures, il lui a demandé de préparer un peu de salade et de viande froide. Un peu plus tard, quand elle lui a posé la question, il a répondu qu'il sortait, mais qu'il n'avait pas besoin de costume. Il n'a pas dit où il allait. Non, mais quand la femme de ménage est partie, vers 6 heures, il était en train de consulter une carte routière. Mmh. Avant 5 heures, vous ne savez pas ce qu'il a fait? Si. Il a quitté l'usine vers 12h30, en compagnie d'un client qui l'emmenait déjeuner. Ensuite, il est allé jusqu'à Rambouillet, où nous avons une maison de campagne. Il est arrivé vers 3h30 et est resté environ 1 heure. Il a demandé au jardinier de ne pas fermer la porte du garage, disant qu'il viendrait peut-être coucher et que de toute façon, il y passerait le dimanche. Tiens. Vous ne trouvez pas curieux qu'il soit allé jusqu'à Rambouillet? On n'y passait qu'une heure? Non, ça nous est arrivé plus d'une fois. En prenant l'autoroute, c'est si rapide. Oh, enfin, tout de même. Étant donné qu'il avait l'intention d'y revenir le soir ou le lendemain, moi, je croirais plus volontiers qu'il y est allé chercher quelque chose. Hein? Alors, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais que nous allions voir ça ensemble demain matin. J'en profiterai pour poser encore quelques questions à votre jardinier. J'ai bien peur qu'il ne vous apprenne rien d'autre. Je suis à votre disposition, monsieur le commissaire. Je vous remercie, madame. Maintenant, tenez, venez par ici et voulez-vous regarder ceci? Oui. C'est la liste de tout ce que nous avons retrouvé dans la voiture et je voudrais que vous me disiez si à première vue, enfin, il manque quelque chose. Attendez, porte-cigarette, briquet, carte. Non. Mais si! Il manque son revolver. Ah non, non. Non, le revolver, nous l'avons retrouvé dans son bureau. Mais c'est pas le même. Il y en avait un autre qui ne quittait jamais le vide-poche de sa voiture. Deux armes? Mais trois même. Il y en a un ici aussi. Nous avons là des objets de grande valeur et, quant à celui de la voiture, mon mari circulait souvent la nuit. Oui, madame, si tous les automobilistes qui roulent la nuit devaient être armés... Oui, mais mon mari a les autorisations parfaitement en règle. Mais je vous crois volontiers, madame Rochenard, je vous crois volontiers. Néanmoins, trois revolvers, hein? Et pour un homme dont vous m'avez dit qu'il n'avait pas d'ennemis, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Alors patron, cette chasse à Rambouillet, ramenez quelque chose? Ah, une devinette, oui. Que peut bien faire un directeur général de chez Widrich un samedi soir avec une bâche, une corde, une paire de bottes, des salopettes et 2 torches électriques? Ça, je sais pas. Ah. Mais vous pouvez toujours y ajouter une pelle et une pioche toute neuve. Quoi? Thomas et moi, on vient de dépouiller le courrier qui nous arrive à la suite de l'appel lancé par les journaux. Ouais. Des quantités de lettres, comme d'habitude, et de gens qui ont vu Rochenard aux quatre coins de la France, bien entendu. C'est naturellement. Oui. Par contre, tout à l'heure, un type a téléphoné, un commerçant de la Porte Saint-Cloud. Il prétend qu'il a reconnu Rochenard sur la photo, et qu'il lui a vendu une pelle et une pioche le samedi après-midi, peu avant 5 heures.
Je l'avais noté à tout hasard, mais ça colle drôlement bien avec votre rébus. Eh ben là, mon bonhomme, mais j'ai l'impression qu'on tient quelque chose. Voyons. Voyons. Nous avons d'abord une pelle et une pioche qui sont des outils à travailler le sol ou la terre. Bon, bon. Ensuite des salopettes et des bottes. Bon, donc incontestablement un travail salissant. Reste la corde, la bâche et deux torches électriques. Deux torches, patron. Ça vous fait pas penser à un complice? Un complice, pour l'instant, disons plutôt un assistant. Rien ne prouve encore que l'entreprise en question ait été répréhensible. Bon, alors reste donc la corde et la bâche, qui pouvaient éventuellement servir à envelopper quelque chose, enfin, ou quelqu'un. Mais ça y est, patron, vous y êtes! Rochenard a transporté, on dirait quelqu'un. Attends, ne nous emballons pas! Primo, c'est peut-être aussi bien quelque chose. Et secondo, il l'a peut-être déterré. Bon, d'accord. Enterrement ou exhumation. Mais que ce soit l'un ou l'autre, doit y avoir une tombe quelque part. Je vous en supplie, monsieur le commissaire, dites-moi la vérité. Il y a maintenant 18 jours que mon mari a disparu. Et plus d'une semaine que vous enquêtez. Il est impossible que vous n'ayez rien découvert. Mais rien de très positif, madame Rochenard. Je vous en donne ma parole. Enfin, tout ce que je puis vous dire, si vous y tenez, et si vous avez le courage de l'entendre, c'est l'hypothèse que je tiens pour presque certaine. Mais oui, je vous en prie, dites-moi ce que vous pensez. Eh bien, je suis à peu près persuadé que votre mari a été assassiné, madame Rochenard. Assassiné? Oui. Mais pourquoi? Par qui? Par qui, je n'en ai pas la moindre idée. Mais les suspects possibles ne manquent pas. Vous l'ignorez peut-être, mais d'une façon générale, votre mari n'était pas très aimé. À l'usine, maintenant qu'on commence à tenir sa disparition pour définitive, les langues se délient. Pour dire quoi? Des ressentiments, de la rancune. Monsieur Vigneault, par exemple, le chef des services techniques, se pose ouvertement en ennemi. Il le fait même avec tellement d'ostentation qu'on en arrive à se demander s'il ne s'agit pas d'une manœuvre. Mais enfin, monsieur le commissaire, pourquoi aurait-on tué mon mari? Monsieur Vigneault ou un autre? Jusqu'à preuve du contraire, et à l'exception de vous-même qui êtes son héritier, il ne semble pas que cette disparition profite directement à quelqu'un. Reste donc une vengeance. Ou alors cette expédition nocturne et clandestine est au cœur du problème, ça c'est évident. Alors, si nous admettons que votre mari a eu un associé, ou un complice, il n'est pas interdit de penser à une querelle, à un règlement de compte. Mais c'est impensable, voyons. Vous oubliez qui était mon mari. Mais je n'oublie rien, madame Rochenard, mais les faits sont là. Votre mari avait projeté et sans doute exécuté une expédition mystérieuse à laquelle ni vous ni moi ne comprenons rien. Si vous avez une idée, moi je suis tout prêt à l'accueillir. Non, plus j'y pense et moins je comprends. Bon, alors dans ce cas, revenons à l'hypothèse de la vengeance. Savez-vous qu'à l'usine, on tient généralement M. Rochenard pour responsable de la mort de votre premier mari? Mais c'est faux, monsieur le commissaire! Ce sont d'ignobles ragots! Il est facile de salir les gens lorsqu'ils ne sont plus là pour se défendre. Je n'ai pas l'habitude de fonder mes convictions sur des ragots, madame Rochenard. J'ai lu le rapport confidentiel établi contre M. Thévenot à l'époque de l'affaire. Sous le couvert d'une indulgence... une indulgence plus douteuse et finalement plus dangereuse qu'une accusation franche, ce rapport était indiscutablement destiné à perdre votre mari. Et il était signé Rochenard. Mais c'est impossible, je ne peux pas le croire. D'ailleurs, cette histoire est vieille de plus de 5 ans. Et franchement, je ne vois pas le rapport. Mais je ne suis pas certain, madame, qu'il y en ait un. Mais c'est pas impossible. Vous connaissiez déjà M. Rochenard à l'époque? Non. Oh, je l'avais rencontré une fois dans une soirée. Ce n'est qu'après la mort d'Albert qu'il est venu me présenter ses condoléances. Et puis par la suite, il s'était forcé de me rendre quelques petits services. Et puis, plus tard, il a fini par me demander en mariage. Combien de temps après? Plus d'un an. Il devait faire un long séjour aux États-Unis et au cas où j'accepterais, il désirait m'emmener.
J'ai dit oui, puis nous sommes mariés un peu avant son départ et nous sommes restés près de 3 ans en Amérique. Mmh. Comment s'est-il suicidé, Monsieur Thévenot ? Au gaz, dans la salle de bain. Il a mis un oreiller et un coussin au fond de la baignoire. Il s'est couché. Vous a laissé une lettre ? Un simple billet qu'il avait griffonné et signé « Je vous demande pardon à tous ». Oui. Est-ce qu'après ce drame, vous auriez remarqué quelqu'un qui aurait paru, enfin... comment vous dire ça, enfin, qui aurait paru affecté au-delà de la normale, si vous voulez? Tant que je me souvienne, non. Non. J'étais moi-même tellement bouleversée. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il vous arrive de vous rendre sur la tombe d'Albert Thévenot, Madame Rochenard? Non. Pourquoi? Et vous n'avez chargé personne non plus de fleurir sa tombe? C'est-à-dire avec ce séjour en Amérique? Non, non, mais je vous en prie. Vous n'avez pas à vous expliquer là-dessus. Non, je vous ai demandé ça incidemment. C'est sans importance. Jean-Patron. Ah bah te voilà, toi. Je t'ai attendu jusqu'à 8h hier soir. Ah bah oui, je m'en doute. J'étais en pleine interview. Il n'y avait pas de téléphone. Ah non. Plus tard, j'ai essayé d'appeler chez vous, mais ça répondait pas. Bon, alors, cette fameuse affaire Sokolov. Eh ben, ça n'a pas été tout seul. C'est une vieille histoire, et les mémoires sont plutôt défaillantes. Ça, je m'en doute. Mais j'ai tout de même récolté quelque chose. Et je crois que j'ai fait une découverte de taille. Peu après la mort de Sokolov, Vera Lenoble a acheté un très bel immeuble de 6 étages. Mais bravo, mais c'est formidable. Attends une seconde. Quelques instants et je suis à vous, Mademoiselle Lenoble. Bon, très bien, Monsieur le Commissaire. C'est par ici. Asseyez-vous, Monsieur Vigneault, je vous en prie, asseyez-vous. Fumez, si vous en avez envie. Nous risquons d'en avoir pour un moment. Ah. Non, ne vous inquiétez pas. Non, en vérité, je n'attends pas grand-chose de vous. Et je vous ai surtout convoqué pour ne pas éveiller les soupçons de Mademoiselle Lenoble. Je comprends pas. Oui, en la convoquant seule, je l'aurais probablement mise en garde. On se m'arrangeait pas, quoi. Oui, mais franchement, monsieur le commissaire, j'aime pas beaucoup ça. Si quelqu'un a tué Rochenard, que ce soit Lenoble ou n'importe qui d'autre, j'aurais plutôt envie de le féliciter que de vous aider à le prendre. Je salue votre franchise, mais pourquoi êtes-vous tellement persuadé que votre directeur est mort? Oh, parce que j'ai bien connu l'oiseau. Il n'y avait que la mort pour lui faire abandonner ses chères usines. Vous ne les aimez pas, vous, les usines? Pas à ce point-là, non. Bah, et pourtant, avec un peu de chance, vous pourriez peut-être en hériter de cette direction. Non seulement ça m'étonnerait, mais je ne suis même pas certain que ça me ferait plaisir. Bon, enfin, passons. Que vous en ayez envie ou non, je vais récapituler devant vous les éléments les plus importants de cette affaire et je vous demanderai de m'arrêter si quelque chose vous paraît impossible. Enfin, impossible ou faux. Hein? Non, sans préciser, puisque vous avez des scrupules, que votre témoignage pourrait aussi bien être à décharge. Pour tout vous dire, je n'en sais rien moi-même, et seule la vérité m'intéresse. Bon, parfait. Allez toujours, on verra bien. Bon, alors voilà. Je pense, comme vous, et depuis un certain temps déjà, que Paul Rochenard a été assassiné. Par vengeance, ou alors par intérêt, et par quelqu'un qui espère lui succéder. Impossible, ça. Pourquoi ? Parce que personne, mais alors là, vraiment personne, ne peut prévoir qui succédera finalement à Rochenard. Ah bah ça, c'est parfait, dans un sens, ça m'arrange. Car je suis à peu près persuadé qu'on a tué Rochenard pour venger Albert Thévenot. Oh. Plus de 5 ans après. N'oubliez pas que les Rochenard ont passé près de 3 ans aux États-Unis. Quant aux 2 années qui restent, c'est le temps qu'il a fallu à Vera Lenoble pour obtenir son poste et gagner la confiance de son directeur. Ah, nous y voilà. Oui, nous y voilà, oui. Et peut-être en seriez-vous moins sceptique si je vous apprends que Vera Lenoble a été la maîtresse d'Albert Thévenot. Quoi? Voilà, Thévenot n'avait plus de famille et son ex-femme ne va jamais au cimetière. Or, sa tombe est toujours fleurie. Oui. Oui, enfin, ça ne prouve pas qu'il avait une maîtresse. Enfin, il adorait sa femme,
Non, je suis bien persuadé. Attendez. Il l'a peut-être adoré. Mais pas plus loin que le jour où il s'est retrouvé sans situation, parce que, à partir de là, il a pu la juger et se rendre compte de ce qu'elle est réellement. Une femme vaniteuse ne pensant qu'à l'argent et qui lui reprochait sans cesse son manque d'ambition. D'alors, il a cherché ailleurs refuge et compréhension et il a trouvé Vera Lenoble. Oui. Mais comment savez-vous tout ça? Par une amie de Thévenot, qui s'est trouvée un jour complètement ahurie en face d'un homme qui essayait de lui faire la cour, après des années de relations purement amicales. Elle a voulu savoir, et il a fini par lui avouer sa déception et son besoin d'une affection véritable. Et c'est elle aussi qui vous a parlé de Lenoble? Non. Non, je suis arrivé à elle par recoupement et en questionnant ses anciens employeurs. Oui. Au lendemain de la mort de Thévenot, elle s'est prétendue malade et a demandé une semaine de congé. Après quoi, elle a repris sa place et sa vie de femme solitaire. J'ignore comment elle avait connu Thévenot, mais il a été très certainement le seul homme de sa vie. Ah ben ça, comme fille étrangère enfermée, on fait pas mieux. Oui. Enfin, ça, je vous l'accorde, je veux bien croire tout ce que vous venez de me dire. Bon, jusque-là, je ne vois rien qui justifie votre accusation. Bien, alors écoutez la suite. Elle a donc repris son travail, sa vie sans histoire. Ça a duré 3 ans. Oui. Ça a duré 3 ans, très exactement, jusqu'au jour où les Rochenard sont revenus des États-Unis. Oui, bon, admettons. N'empêche que, pour l'instant, vous n'avez jamais qu'une présumée coupable et un mobile supposé pour un crime sans cadavre. Hein? Oui, ça vous n'avez pas tort. Oui. Mais Rochenard était un numismate enragé. Et quand je vous aurais dit que Mademoiselle Lenoble a probablement eu entre les mains l'une des plus belles collections d'Europe, vous conviendrez qu'elle n'a peut-être pas eu beaucoup de mal pour entraîner son patron dans un endroit désert, comme vous dites. Vous n'avez jamais entendu parler de l'affaire Sokolov? Oh, non. Ah, oh, ben, elle a fait un certain bruit, pourtant. Enfin, il est vrai qu'il y a pas mal d'années de ça. Sokolov était un Russe émigré. Oh, tu peux assez étonnant. Le peu de fortune qu'il avait pu sauver, il l'avait consacré à enrichir sa collection de pièces et de médailles anciennes. Et lorsqu'il s'est trouvé sans un sou, plutôt que de sacrifier la dite collection, il est devenu escroc. Mm-hmm. Alors la police a fini par lui mettre la main dessus, mais seulement lui a mis la main dessus à l'hôpital. Et alors qu'il se mourait. Et personne n'a jamais su ce qu'était devenu sa fameuse collection. Oui, mais enfin, quel rapport avec Vera Lenoble? Ah, ben voilà. Quand je suis allé chez Rochenard, j'ai vu pas mal de médailles. Et sa femme m'a expliqué de quoi il retournait. J'ai pas fait très attention, ça je l'avoue. Mais quelques jours plus tard, en contrôlant l'état civil de Vera Lenoble, et en apprenant qu'elle était née d'une mère russe nommée Sokolov, je vous jure que j'ai fait un bond. Ah oui. Votre secrétaire de direction était la nièce de Sokolov, et sa seule parente. Et quelques mois après la mort de son oncle, elle a fait l'acquisition d'un fort bel immeuble dans Paris. Ça, Vera propriétaire. Eh oui, monsieur Vigneault, Vera propriétaire. Elle a dû récupérer la collection et la vendre. Ce qui ne l'aura pas empêché, le moment venu, de faire croire à Rochenard qu'elle était toujours enterrée quelque part, pour l'entraîner dans une expédition piège, avouer qu'elle ne pouvait pas trouver mieux. Si elle avait tellement envie de tuer Rochenard, elle aurait tout de même pu trouver plus simple, vous ne croyez pas? Vous oubliez madame Rochenard, ex-Thévenot, laquelle ne pourra ni hériter, ni se remarier, tant qu'on n'aura pas retrouvé le corps de son mari. Mes compliments, monsieur le commissaire, vous avez une très belle imagination. Le grand Paul Rochenard se déguisant pour partir à la chasse au trésor, c'est vraiment du plus haut comique. Où étiez-vous du samedi au dimanche, la nuit où il a disparu? Bah, chez moi, comme toutes les nuits. Et comme toutes les nuits aussi, j'y étais seule. Mmh. Est-ce que vous possédez un permis de conduire, mademoiselle Lenoble? Oui, pourquoi? Montrez-le-moi, je vous prie. Attendez, nous voilà. Ah. Vous l'avez passé il y a quelques mois à peine. En effet, oui, c'est écrit dessus. Non, je vous en prie, hein, cessez de persifler, voulez-vous? La vérité, c'est que vous avez passé votre permis parce que vous saviez qu'une fois votre crime accompli, il vous faudrait ramener la voiture de Rochenard. Oui, c'est amusant aussi, mais j'ai une explication moins romanesque. Voilà, j'ai passé mon permis parce que j'ai commandé une petite voiture, tout simplement. Bon, je ne me promène pas avec le bon de commande dans mon sac, mais je suppose que c'est facilement contrôlable. Vous êtes très forte, mademoiselle Lenoble, oh. Et dans un sens, je vous admire. Malheureusement pour vous, il était impossible de monter une pareille machination sans laisser quelques traces. Et vous n'avez pas toujours pu éviter de mentir, car vous m'avez menti en affirmant que la précédente secrétaire de Paul Rochenard avait cherché un emploi plus près de chez elle. C'est vous!
C'est vous seul qui l'avez cherché, trouvé, et qu'elles ont ensuite allé le lui proposer afin d'obtenir sa place. Depuis que vous êtes entré chez Widrich, vous n'avez qu'un but, devenir la secrétaire de Rochenard. Je m'incline devant votre perspicacité, monsieur le commissaire, et j'avoue. Mais je vous signale tout de même que ce n'était là qu'une étape, et que ma véritable ambition était de devenir sa maîtresse. Ce que je suis effectivement devenue. Quoi ? Vous étiez la maîtresse de votre patron ? Oui. Depuis combien de temps ? Depuis 6 mois seulement. Ah. Mais il avait commencé de me faire la cour bien avant ça. Bon Dieu. C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée de me faire fréquenter Mademoiselle Houtin et lui trouver une place. Il tenait à m'avoir à ses côtés, mais sans éveiller les soupçons, bien entendu. Ben oui, je vois. Puis-je vous demander où vous êtes devenue sa maîtresse ? Pourquoi pas un récit de l'événement tant que vous y êtes ? Je ne suis pas dupe de votre air choqué, Mademoiselle Lenoble. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Vous pouvez disposer, je vous remercie. Pardon ? Mais je dis, vous pouvez disposer. Vous êtes libre. Ah bon ? Bon. Eh ben, je... Au revoir, messieurs. À bientôt, Mademoiselle Lenoble. À très bientôt, sans doute. Profitez bien de votre liberté, je ne vous garantis pas qu'elle durera très longtemps. Dans ce cas, je vous remercie à mon tour, monsieur le commissaire. Et je prends note. Ça, mes patrons, pourquoi la laissez-vous partir ? Et pourquoi n'avez-vous pas parlé de Thévenot ? Bah comme ça, une idée soudaine. Mais si elle file ? Oh non, oh, cette fille-là ne s'enfuira pas. Elle est du genre qui fait face. Oh, qui fait face. Bon, mais alors, qu'est-ce que vous espérez ? Bah ça, je te le dirai tout à l'heure. Bon, attrape d'abord le téléphone et appelle-moi Madame Rochenard. Oh, très bien. Non, c'est égal. Pour savoir ce que vous avez en tête, vous. Allô ? Allô, Mme Rochenard ? Quittez pas. Merci. Commissaire Brigou à l'appareil. Bonsoir, Mme Rochenard. Oh, bonsoir, Monsieur le Commissaire. Du nouveau ? Eh oui, oui. Et qui va peut-être vous surprendre. J'ai découvert que votre premier mari avait une maîtresse. Albert ? C'est impossible, vous devez vous tromper. Ah. Peut-être changerez-vous d'avis lorsque je vous aurai dit son nom. Il s'agit de Vera Lenoble. Qu'est-ce que vous dites ? Vera Lenoble, oui. Qu'il est devenu la secrétaire de votre second mari, que parce qu'elle avait été la maîtresse du premier. Je ne comprends pas. Non, bah, c'est pourtant simple. Considérant que Paul Rochenard était responsable du suicide d'Albert Thévenot, elle a décidé de le venger. Et j'ai bien peur qu'elle n'ait réussi. Mais c'est je vous assure qu'il n'y a madame, rien... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais la question n'est pas là, Madame Rochenard. Si je vous raconte tout ça, c'est d'abord pour vous mettre en garde. Pour me mettre en garde ben oui, Vera Lenoble est encore en liberté, mais sans doute plus pour très longtemps. Or, elle le sait, et je crains qu'elle n'essaie de se venger de vous, également. Alors, écoutez-moi bien. Oui. Si elle prend contact avec vous, que ce soit de jour ou de nuit, prévenez-moi immédiatement. Je laisse une consigne ici. Et si jamais elle vous demande de la suivre, n'acceptez sous aucun prétexte. Compris ? Oui. Oui, c'est entendu. Bon. Parfait, je compte sur vous. Je passerai vous voir demain. Bonsoir, Madame Rochenard. Bonsoir, Monsieur le Commissaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On attend ? Non. Non, mon vieux, on n'attend plus. On prend 6 hommes, 2 voitures radio et on file se poster devant le domicile de Rochenard. Pour peu que je ne sois pas trop mauvais psychologue, nous serons bientôt en route pour sa tombe. Faites attention dans les lignes droites, ne suivez pas trop près. Entendu, commissaire. 140. Elle se défend pas mal avec un volant, la petite dame Rochenard. Alors, c'est dégage, je comprends pas. Vous lui téléphonez spécialement pour la mettre en garde contre Vera Lenoble, et voilà qu'elle l'emmène dans la nature et en pleine nuit. Espérons qu'elle a au moins pensé à prendre le revolver de son mari. Eh bien, si elle y a pensé, elles sont armées toutes les deux. Comment ça ? J'ai téléphoné à l'usine en fin d'après-midi. Le revolver de Rochenard n'est plus dans son bureau. Oh, ça alors ? Et vous avez quand même... Ah, ben, si nous voulons retrouver le corps de Rochenard, c'est le seul moyen. Je prends un risque, évidemment. Enfin, on verra bien.
Mais qu'est-ce qu'elle veut, l'autre, au juste? Elle va tout de même pas tuer la femme sur la tombe du mari, non? C'est possible. Mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple. De toute façon, j'espère bien que nous pourrons intervenir à temps. Elle ralentit, commissaire. Alors, attention. Ça y est. Elle tourne. Elle s'engage dans la forêt. Encore une veine qui fasse clair de lune. Tais-toi un peu, toi, tu veux. Pas bon. Ça y est, ils sont arrêtés. Bon, bah, arrêtez-vous aussi, c'est trop risqué. On va descendre et faire le reste à pied. Toi, suis-moi, mais n'en ferme pas la porte. Chut. Regardez, patron. Vera le Noble tient une pelle à la main. Oui, un revolver dans l'autre, j'ai vu, oui. Maintenant, tais-toi. Non! Non, je ne peux pas! Les mains en l'air, toutes les deux! Eh ben, ça y est, on a gagné. Comment va-t-elle? Bien. La piqûre du toubib l'a un peu abruti, mais la crise est passée. Et là-bas? La voiture vient d'emmener les corps de Rochenard et de Vera le Noble. On a retrouvé dans la tombe tout le matériel de l'expédition. Et aussi le revolver de la voiture. C'est égal. Quand il a acheté ses joujoux, Rochenard ne devait pas se douter qu'ils serviraient tous. Ni qu'ils se retrouveraient ici les trois ensemble. Vera le Noble a dû le subtiliser pendant le trajet. Après quoi, et avant de l'utiliser, elle aura tranquillement regardé Rochenard en train de creuser sa tombe. Et vous croyez vraiment qu'il s'est pas méfié? Elle avait dû lui montrer un plan, ou des lettres de son oncle. Sokolov est mort non loin d'ici. Et je suis bien persuadé qu'elle l'a emmené à l'endroit même où la collection avait été effectivement enterrée. Dommage qu'elle soit morte tout de même. Vous aviez parfaitement constitué son crime, mais nous aurions peut-être pu éviter l'expédition de ce soir. Ah non, ça je crois pas, non. Je crois pas parce que, primo, nous n'aurions jamais retrouvé Rochenard. Et secondo, tu as bien regardé le corps de Vera le Noble. Oh, moi, vous m'en avez pas laissé le temps. D'ailleurs, moi, vous savez, ce genre de spectacle... Non, c'est pas très réjouissant, d'accord, mais c'est souvent instructif. Tiens, appelle-moi Madame Rochenard, tu veux? Pourquoi faire? Parce que la réponse à ta question va sûrement l'intéresser aussi. Allez, 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 vas-y. Et voilà les mystères qui recommencent. Il y a des moments vraiment où je me demande ce que je fais dans la police. C'est ça. Tu me diras ça plus tard. Madame Rochenard, s'il vous plaît. Pouvez-vous venir par ici? Passez, je vous en prie. Asseyez-vous, Madame Rochenard, asseyez-vous, je vous en prie. Comment vous sentez-vous? Un peu mieux, monsieur le commissaire, je vous remercie. Bien. Je vais essayer de vous importuner le moins longtemps possible. Enfin, il y a cependant un ou deux petits détails que je désire éclaircir. Est-ce que vraiment ça ne pourrait pas attendre un peu? Ah non. Non, malheureusement non, Madame Rochenard. J'ai mon rapport à établir, il me manque encore certains éléments. Ainsi, par exemple, vous m'avez dit avoir tiré au hasard et sans viser. Je vous crois volontiers. Et ce, d'autant plus que vous avez tiré à travers la poche de votre manteau. Mais vos deux balles ont fait mouche. Et je vous avoue que ça m'étonne pas passablement. Mon mari m'avait appris à tirer. J'aimais bien cela, d'ailleurs. Puis je m'entraînais quelquefois. Ben oui, bien sûr. Je vois. Mais pourquoi avoir accepté de suivre Vera le Noble alors que je vous avais expressément mis en garde? Elle m'a téléphoné en m'annonçant que mon mari l'avait contactée et qu'il nous attendait. Je devais lui apporter du linge, des vêtements et surtout ne pas prévenir la police. Bon, et vous l'avez cru? À moitié, puisque j'ai tout de même apporté le revolver de la maison. Mais il y avait une chance pour que cela fût vrai. Et je ne voulais pas risquer de la compromettre. Mais quand avez-vous compris que c'était un piège? Quand elle m'a ordonné de ralentir et de pénétrer dans la forêt. J'ai hésité, et c'est alors qu'elle a sorti son arme. Ensuite, tout s'est passé très rapidement et comme dans un cauchemar. Elle m'a fait descendre, nous avons marché un peu et elle m'a tendu une pelle. Elle voulait m'obliger à déterrer moi-même le corps de mon mari. Ensuite? Eh bien, c'est à ce moment-là que vous avez crié et qu'elle a tiré sur moi. Oui, le seul ennui, voyez-vous, c'est qu'elle n'a pas tiré sur vous. Qu'est-ce que vous dites? Oui, Vera le Noble n'était pas une femme à s'enfuir, mais encore moins à supporter la prison. Quand elle s'est vue prise, elle a tourné son arme contre elle.
et elle s'est tiré une balle en plein cœur. Lorsque les deux vôtres l'ont atteinte, elle était déjà morte. Mais comment ai-je pu deviner? Elle m'avait tellement menacée. De vous tuer? Oui. Non, vous m'étonnez. Telle que j'ai pu la connaître, elle vous aurait plutôt laissé vivre avec le souvenir de cette nuit épouvantable. Elle m'a répété plusieurs fois que j'allais rejoindre mon mari. Elle était comme folle. Vous mentez, Madame Rochenard. Pardon? Vous mentez. Et vous n'avez cessé de mentir. Lorsqu'elle vous a téléphoné, vous avez parfaitement deviné qu'elle voulait vous emmener sur la tombe de votre mari. Et si vous avez accepté de la suivre, c'est que cela vous arrangeait doublement. Car non seulement une fois le corps de votre mari retrouvé, vous alliez pouvoir hériter, mais c'était également pour vous une merveilleuse occasion de tuer Vera Lenoble en prétextant la légitime défense. Mais c'est complètement ridicule, voyons. Pourquoi aurais-je voulu la tuer? Mais vous l'avez décidé à l'instant même où je vous ai appris qu'elle avait été la maîtresse de votre premier mari. Vous vous y êtes cru obligé, mais vous vous êtes trompé, Madame Rochenard. Car Vera Lenoble ignorait certainement que vous aviez assassiné Albert Thévenot. Vous êtes fou! Mon mari s'est suicidé! Il a même laissé un mot! Je vous demande pardon à tous, oui, je sais. Mais ce à tous m'avait fort intrigué. Alors voyez-vous, j'ai cherché à en connaître la raison. C'est ainsi que j'ai interrogé plusieurs de vos amis de l'époque et que j'ai appris pas mal de choses intéressantes. Par exemple, qu'un soir, un soir de réception, mais alors qu'il était terriblement déprimé par son manque de situation, votre mari vous avait fait une scène en public et qu'il était parti en claquant la porte. Seulement un peu plus tard, en racontant cela à une amie que j'ai interrogée, il a dit aussi qu'il avait eu des remords et que n'osant plus montrer, il était venu déposer un billet d'excuse dans l'entrée. Je vous demande pardon à tous, très certainement. Vous êtes en train d'échafauder une histoire ridicule, c'est insensé! La même amie m'a conté aussi que vous faisiez une vie impossible à votre mari, l'accusant entre autres d'être un pauvre type et un incapable, à tel point que certains jours, pour ne plus vous entendre, il lui arrivait de prendre un somnifère et d'aller dormir dans la baignoire. Qui vous a raconté ça? Qu'importe. Ce qui compte, c'est que ce crime a été pour vous un jeu d'enfant. Votre mari dormant dans la baignoire, vous ouvrez le gaz et vous partez en course après avoir déposé auprès de lui le fameux billet. Billet que vous n'aviez montré à personne, bien entendu. Mais dont votre mari, malheureusement pour vous, avait parlé par la suite. Voilà, Madame Rochenard. C'est une femme inouïe. Pourquoi l'aurais-je tué? Parce que vous n'en pouviez plus de ce mariage. Parce que Thévenot n'était pas le jouet que vous aviez cru en l'épousant. Et parce qu'il n'était pas un homme à gagner beaucoup d'argent pour vous faire mener la vie mondaine que vous avez toujours enviée. C'est idiot. Pourquoi n'aurais-je pas divorcé, alors? J'ai interrogé énormément de gens dans cette histoire. Et je peux répondre à ça aussi. Vous ne pouviez pas songer au divorce parce que vous aviez encore votre père. Il est mort depuis et vous a laissé une assez jolie fortune, mais c'était un homme austère et qui vous aurait déshérité de moitié si vous aviez seulement parlé de divorce. Si bien que pour être libre et pour dénicher un Rochenard quelconque, vous n'aviez que la ressource de tuer votre mari. Vous avez bien failli réussir un crime parfait, Madame Rochenard. Et je reconnais que le hasard vous a joué un méchant tour. Parce qu'en tombant sur un imprévu qui s'appelait Vera Lenoble, vous n'aviez, pour ainsi dire, aucune chance de vous en tirer.